Cet hiver, pendant les vacances de Touche pas à mon poste, Kelly Vedovelli s'est envolé pour Dubaï, s'attirant les foudres des internautes. Les vacances de Noël battent leur plein. Alors que la SNCF prive des milliers d'usagers de rejoindre leur famille pour les festivités, de nombreux Français n'ont d'autre choix que de prendre d'autres moyens de locomotion pour profiter de ces quelques jours de vacances. Du côté des avions, tout semble aller pour le mieux et de nombreuses personnalités choisissent de prendre du bon temps de l'autre côté de la planète. Une invitation à Dubaï qui ne passe pas chez les internautes. Dernière victime en date de la foudre des internautes, Kelly Vedovelli. La chroniqueuse de Touche pas à mon poste a en effet profité des vacances de l'émission phare de C8 pour prendre quelques jours loin de l'Hexagone. Elle a en effet été invitée par une agence de voyage dubaïote afin de découvrir les joies de ce pays. Loin des températures glaciales de ces derniers jours en France, la jeune femme a partagé plusieurs photos dans des voitures ou dans le sable du désert à ses 750 000 abonnés, ce qui lui a valu quelques critiques. Afin de les faire taire, elle a néanmoins tenu à leur adresser un message: « Je pense vous avoir montré depuis maintenant 10 ans que je suis sur les réseaux à quel point j'aime tout dans la vie. Mon franc-parler, mon naturel, mes nombreux plaisirs simples avec mes amis. Aussi bien au McDo qu'à Four Seasons, aussi bien chez H&M que chez Dior. » Kelly Vedovelli pousse un coup de gueule si elle comprend que ses abonnés ont du mal avec Dubaï. Elle pousse cependant un coup de gueule: « Je suis curieuse, je voulais voir de mes propres yeux et je ne regrette pas. Sachez juste une chose, vos insultes ou commentaires rabaissants me font méga rire et au pire, m'indiffère totalement, c'est étonnant pourquoi ça la touche si peu, vous êtes flippant et ça, si est-il relou, au pire, unfollowez moi non ?» Après cette mise au point, Kelly Vedovelli a partagé des messages de soutien, des belles ondes positives pour rattraper ce mauvais mood, avec en fond une photo de Dubaï prise depuis un hélicoptère survolant l'île artificielle de ce petit état du Moyen-Orient. À lire aussi: c'est une honte, Kelly Vedovelli excédée dans TPMP par les propos de Gilles Verdet sur la fidélité.